Pour commencer, installez-vous dans une position dans laquelle vous savez que vous serez bien à l'aise et vous savez que vous ne vous endormirez pas. Vous pouvez prendre quelques bonnes respirations pour vous installer. Laissez le corps se détendre autant que nécessaire pour vous. Voyez un peu s'il y a des tensions qui sont dans le corps. Est-ce qu'il y a des parties du corps que vous avez envie de relâcher? Les épaules, par exemple. Et à votre rythme, je vais vous demander de faire venir à votre esprit l'image d'une personne que vous aimez bien. Un ou une amie. Prenez le temps, faites venir à votre esprit l'image d'une scène. Vous avez pu être présent pour cet ami. Vous avez pu soutenir cette personne lorsqu'elle était en difficulté. Souvenez-vous des intentions positives que vous avez eues pour cette personne. La bienveillance. Observez les gestes que vous avez faits à l'égard de cette personne. Les paroles réconfortantes que vous avez utilisées. Ressentez les sensations de compassion que vous avez eues pour votre ami. Observez comment, même si cette personne a des défauts, vous pouvez l'aimer telle qu'elle est, inconditionnellement, être bienveillant envers elle. Observez l'effet de ces images sur votre corps, sur votre esprit, sur ce qui se passe dans la tête. Relâchez un instant la tension. Et à votre rythme, faites venir à votre esprit une scène où vous avez célébré avec une personne que vous aimez, une victoire de cette personne, un bon moment, une réussite. Faites venir à votre esprit les intentions positives que vous avez eues pour cette personne. Observez les gestes que vous avez faits à l'égard de cette personne. Et ressentez les sensations de bienveillance que vous avez eues pour votre ami. Faites venir aussi les paroles de bonheur que vous avez utilisées. Voyez à quel point, même si cette personne est imparfaite, vous pouvez l'aimer et la soutenir inconditionnellement. Continuez à respirer, laissez votre corps respirer. Et restez un instant dans ces sensations de bienveillance. Voyez à présent
comment vous pouvez réarranger cette image pour vous offrir à vous-même également cette bienveillance inconditionnelle dans la mesure du possible. Parfois c'est très difficile de se donner de la bienveillance, surtout si on a été habitué à ne pas en recevoir beaucoup. Mais essayez, à votre mesure, de faire cet exercice, sans vous mettre la pression, sans vous forcer. Voyez comment vous pouvez recevoir votre propre bienveillance. Voyez comment vous pouvez vous la donner. À présent, à votre rythme, faites venir à votre esprit un moment où vous avez été en difficulté, ou les images d'une difficulté actuelle. Et imaginez que vous êtes votre meilleur ami, et que vous pouvez être là pour vous-même. Faites venir à votre esprit les intentions positives que vous pourriez avoir pour vous-même. Observez les gestes que vous pourriez faire à l'égard de vous-même. Observez les paroles réconfortantes que vous utiliseriez envers vous-même. Ressentez les sensations de compassion que vous pourriez avoir envers vous-même, comme si vous étiez votre meilleur ami. Observez à quel point, même si vous êtes imparfait, vous pouvez vous aimer inconditionnellement et être bienveillant envers vous-même. Prenez un moment pour respirer et vous baigner dans cette bienveillance envers vous-même. Si elle semble toute petite, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Si vous la ressentez très grande, ou toute autre chose, c'est très bien aussi. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne manière de faire cet exercice. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, tout en étant à l'aise, confortable. Votre rythme, faites venir à l'esprit un moment où vous avez réussi quelque chose, vous avez pu être fier, content de vous-même. Imaginez là encore que vous êtes votre meilleur ami, que vous pouvez être là pour célébrer cette victoire avec vous-même. Faites venir à votre esprit les intentions positives que vous auriez pour vous-même. Observez les gestes que vous pourriez faire à l'égard de vous-même. Les
des paroles de joie que vous utiliseriez envers vous-même. Ressentez les sensations de bienveillance que vous pourriez avoir envers vous-même comme si vous étiez votre meilleur ami. Et là encore, observez comment, même si vous êtes imparfait, vous pouvez vous aimer inconditionnellement et être bienveillant envers vous-même. Prenez un moment pour respirer, pour vous baigner dans cette bienveillance envers vous-même. Là encore, si elle semble toute petite, c'est très bien comme ça. Si elle est très grande, c'est très bien aussi. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire cet exercice. Et à votre rythme, lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous réorienter dans la pièce, revenir à cet instant, à vous. Vous pouvez également continuer l'exercice aussi longtemps que nécessaire.